Je peux pas, j'ai désactivé tous les sons. Yes. Je vais tester moi-même alors. Je peux pas, j'ai désactivé tous les sons. Yes. Moi, je nous entends. Par contre, j'entends le jeu très très fort. Non, ouais, ça c'est. C'est le jeu qu'on entend comme ça là ? Par contre, j'entends le jeu très très fort. Bah, je crois, hein. Parce que si c'est le jeu, on entend que ça. C'est le jeu qu'on entend comme ça. Très vite fait. Par contre, j'entends le jeu très très fort. Comment ça on entend plus que le jeu ? Genre, nous on l'entend absolument presque pas. Non, mais on l'entend pas parce que je suis pas sur la fenêtre. Eux ils l'entendent automatiquement. Attends. Pas faux. Je crois que c'est censé être l'inverse, non? Putain, je sais pas pourquoi il y a j'ai un bug avec mes trucs là, ça ne veut plus charger. On arrive, hein, c'est compliqué. Je n'ai pas le choix. Hop. Son, c'est pas là-dedans. Oh, ils ont vu? Ils ont vu le son? Waouh. Oh. Trop bien, ils peuvent hacker mon PC. Ils peuvent hacker le son. Non, là ça va. Le son est ok. Le son est ok? Ouais. Bah oui, je suis pas sur la fenêtre, normal. Pas faux, WTKT, OMG. On va hacker le son, allez. Ça, tu vois, ça c'est mon Discord, ça. Génial. Donc, Ouf, mon téléphone. Attends, je vais. Vas-y, parle un coup pour voir. Under 2. Sur qui me voit toujours. Mon téléphone. Attends, Vas-y, parle un coup pour voir. Under 2. Sur qui me voit toujours. Mon téléphone. Je crois qu'il. Vas-y, parle un coup. Il m'entend à travers ton micro, mais pas le mien. On peut encore tester, hein. Genre, je crois qu'il. 1-2. Il m'entend à travers ton micro, mais pas le mien. Boum 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 boum. On peut encore tester, hein. Genre, je crois qu'il. 1-2. Non, c'est vraiment normal. Bon, soleil, la blague, sans moi, bon streamer. C'est pas grave, je pourrais avoir la rediff pour faire la clé. C'est quand même qu'il veut pas voir. Ouais. Mais pourquoi qu'elle peut pas voir grave. Il veut la rediff pour faire la clé. Parce qu'il a. C'est quand même qu'il veut pas voir. C'est tout caché. Pourquoi qu'elle peut pas voir. Il a pas le wifi. Non, parce que. Il a pas le wifi. Non, non, il l'a pas. Et il peut pas aller sur le PC. Je pense qu'à 21h il peut pas. C'est quoi c'est chaud. Ah oui, mais par contre on a plus de truc blanc pour nous éclairer. Bah il est là. Ouais mais ça va pas fonctionner en fait. Quand tu l'éclaires. Parce qu'elle est plus. Il y a un petit bouton sur le côté. Essaye. Ouais c'est vraiment léger. Je l'ai pas rechargé en fait, c'est ça le problème. Ah bien joué. Ça va. Ça va partir alors. Sur. Ouh là là. Ouf. Mais c'est. Mais on a dit éclairer, pas nous foutre un spot lumineux dans la gueule. C'est très chelou comme ça. Jusqu'ici, s'il te plaît. Bah ouais, mais il faudrait que j'arrive à trouver un endroit où le poser. The light on. J'avoue, c'est que et la lumière fut. Le plus important. Non. Son PC dans la chambre de ses parents, donc ouais, c'est compliqué que tu aies qui regarde. Est-ce que c'est quoi ces gens qui n'ont pas de PC dans leur chambre? Écoute, tout le monde ne vit pas avec des PC, des tours dans leur chambre. Gros, j'avais un PC portable avant. Ouais, je sais parce que j'ai eu le tien après. Bah oui. Bah normalement écoute c'est bon. Ce qui est un peu chiant c'est que je peux pas avoir le chat, je peux pas le. Moi j'avais fait comme ça la dernière fois, tu te démerdes. Ouais mais je voudrais le mettre de l'autre côté. Est-ce que c'est possible? C'est pour ça que des fois tu vois je me rapprochais vraiment. Ouais. Mais normalement ça doit être possible je crois, mais je sais plus comment on fait. Donc oui, pour les gens qui sont ici, je vais jouer Five Nights at Freddy's. Vu que madame a un peu peur. Pourquoi tu m'enlèves le. J'ai pas dit que j'avais peur. J'ai dit que moi je connaissais un peu le jeu et que je voulais que toi tu joues. Oui, tu as peur. La traduction du mec. Je suis assez d'accord. Ah, Aurélie était d'accord. Attends deux secondes. Si je me rapproche comme ça. Ah ouais, il me voyait pas beaucoup. Genre, tu vois sur la webcam, genre je ne suis plus dans le. Bah, tu veux la tourner par là? Tu
vois, genre. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu te mettes plus comme ça en fait. Ah ouais, oh putain, mais comment tu faisais pour jouer Bah, je me démerdais, gros. genre, jouer comme ça. Bah ouais. Alors là, c'est bien cette QSD et tout. Ah, faut que tu te mettes en anglais. Oh, fais chier, vas-y. Normalement, c'est bon, tu peux y aller. Très bien. Let's do this. Ça, on verra bien si c'est pas ça. Donc, il y a 5 nuits. Markiplier, il est trop fort à ce jeu. Bah, en vrai, il les a dosés. Moi, j'ai jamais joué, il non plus, je crois. Je connais un peu. Mais... Ouais, voilà, on a vu des vidéos, mais je vois, c'est pas pareil, quoi. C'est espace ou entrée pour... Ça, je passe. Test. The local room. Pizza for fromage. C'est ça. Ouais, dites... L'anglais pour Guigui. C'est trop mignon. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas appelé Guigui. Ah oui. Alors vas-y, fais-nous cette magnifique traduction. He looked at you in your room again. T'es bloqué dans ta chambre une nouvelle fois. C'est bien. Oh putain. C'est bien. J'ai mon diplôme. Non, continue. Merde. Don't be scared. I am here with you. Ne sois pas effrayé. Oui. Je suis là avec toi. Oui. C'est bien. Encouragez-le. C'est bien. C'est pire qu'un contrôle. He got wrecked. C'est si mignon. Ah la vache. Il t'a enfermé encore une fois dans ta salle. Après, je crois qu'il y a une histoire, mais en vrai, je la connais pas. Si vous la connaissez, je veux bien un petit résumé en vrai. Bah, en vrai, je sais que les premiers, ça se passe dans une pizzeria et après, t'es un gamin. Donc... Oui, non, mais c'est ça. Genre, au début, c'est une pizzeria et puis on est dans la chambre. Genre, c'est un peu bizarre. Il y en a un, il est dans une machinerie ou un truc comme ça, si j'ai l'impression. Il y a tout le chat qui m'encourage. Merci. Allez, continue. Non. Ah, mais j'ai pas vu, il y avait marqué Don't be... Ah non, c'était toujours la même phrase. Oui. Ah oui, ok. There I my friend. C'est tous mes amis. Oui. C'est pas du tout parce que je te l'ai traduit après. C'est pas pourquoi j'ai testé le jeu. Pas du tout. Ça, oui. Ah putain, c'est Ali Triggered. Ah oh, non. Je voulais triggered tout le monde parce que quand j'étais à la porte, t'as tout carrément. Tomorrow is another day. C'est demain est un autre jour, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est bon. Avec un peu de conneries, on arrive à comprendre l'anglais. C'est parce que celui-là, c'est le 4. J'ai pas les... J'ai ouais, pas les c'est... De ce que j'ai vu, le plus bâtard. Il y a une machinerie aussi, genre à un moment t'es dans le noir et tout, tu dois te repérer au son, enfin il y a des trucs très bizarres. Alors, attends, comment je fais? C'est click. Click to run to the door. Donc là, tu cliques. Oh, oh non. Bon, en fait, tu vois rien. Warning. Listen, écoutez doucement. Mais t'arrêtes pas, j'ai pas fini de lire. On peut pas revenir si. Bah, si, certainement. si tu entends respirer, tu dois fermer la porte très vite. Et si tu ne, je peux aller. Si tu n'entends pas respirer, utilise la lampe. Ok. Et flick mouse to turn. Mais comment tu utilises la lampe? Close door. Contrôle. C'est contrôle. Ouais. C'est contrôle, c'est là. Voilà. Si t'entends respirer, faut pas que t'aimes la lumière parce que tu vas te faire bouffer. Merde. Si, merde. C'était quoi? La souris. Clic de la souris. Ça marche pas. Shift. Shift. Ok, merci. Ah, pour fermer la porte. Ok. Mais comment tu reviens en arrière? On peut pas le laisser fermer? Non. En fait, c'est le même principe que la batterie dans les autres, tu vois. Mais c'est pute. Là, c'est la même chose, j'imagine. Ils te disent rien, genre. Ouais, c'est... Je crois que c'est parce que j'ai appuyé sur X. Ah, vas-y, hein. Enjoy your game. Bah attends, si je suis comme ça, je suis invincible, non? Non, parce qu'ils peuvent t'attaquer des autres côtés. Fuck. Est-ce que tu crois qu'il y a un glitch du jeu dans le sens où si tu restais comme ça... Non, je pense qu'en vrai, ça marche pas. Mais... Y'a pas à se retourner aussi? Je crois qu'il y a un truc sous le lit, et à la fenêtre.
Ah putain, mais moi, à la place du perso, je reste pas dans la chambre en fait. Oui, c'est clair, genre, tu vas voir tes parents, tu dis que t'as peur et tu t'en rappelles que, tu sais. Faites attention au placard. Oui, mais ça avance pas, j'imagine, non? Ah oui, c'est peut-être ça avance pas dans le temps, tu vois. Ok, donc... Attends. Ok, donc en fait, c'est... Je mets ma souris sur le bas et ça fait ça. Vous avez mis la souris en mode eye tracker? Parce qu'il y en a certains qui l'enlèvent, mais comme ça vous voyez où, comment il réagit. Je trouvais ça plus intéressant. Ah, mais là on a commencé la partie en fait, c'était pas le tuto parce qu'il est déjà 2 heures en vrai. J'avoue, ah non, je vous avoue que j'attends juste les sursauts IRL, moi. Je suis à côté et je sens ça va être très drôle. D'accord. La chaîne sur les théories d'F9, c'est Funky Fouine. Ok. J'ai pas vu. J'ai pas vu. En vrai, essayer de faire un truc. Changer de lunettes parce que j'ai mal au crâne, je t'avoue. Mais je sais pas si je vais voir beaucoup en fait. En vrai, c'est toi qui joues donc je m'en bats les couilles. Merci. Regarde, c'est un truc de ouf. Je sais que techniquement, tu vois, à part si t'es un noob, C'est un quoi? si t'es un noob, un gros noob la première nuit, et tu crèves pas. Ouais. Et putain, la peluche. Peluche qui était là, il y en avait deux tout à l'heure. Ouais, d'accord. Là, j'ai juste vu un truc super petit spawn, tu vois. Mais elle a l'air gentille, la peluche. Ouais. Cette peluche là, oui, pas celle qui va tout à Viens, l'heure. on envoie nos peluches Simba, il le défonce. Tellement. Quand on était petit, enfin, quand moi j'étais petite, vu que je suis née avant. C'était la mauvaise touche. Je racontais mon histoire, un mec qui m'a poussé. Tu sais que je me suis mordu le doigt. Genre, je me suis mordu le Par contre, faut pas retourner comme ça parce que deux fois comme ça, le pont vert il tombe. Oh merde. T'as dit quoi? Faut pas retourner comme ça parce que tu t'as reculé, le pont vert il a reculé 10 cm. Ah. Oh merde, je suis désolé. C'est... Et ça, deux fois, il n'y a plus de fond. Suis mort, mes réactions. Bon. Faites attention au son aussi. On voit la produit. Voilà pourquoi. Bon, bah vas-y. Ah non, non, j'ai pas envie là. Chacun son tour. Oui, Ouais, vas-y, voilà, jouez à ton hier. tour. Ah non, mais moi j'ai joué hier à The Crooked Man. Chacun son jeu, chacun son tour. Ouais, mais j'ai un peu joué aussi à cause de Si Cookie. tu veux, je joue au prochain jeu. Non. Le prochain jeu, c'est Tout de le monde veut jouer au prochain jeu. Oui, je te laisserai jouer parce que je suis généreuse. Mais non, mais genre, c'est tellement pute d'avoir fait genre les deux touches pour fermer la porte et allumer la lumière à côté. Du coup, là, je me suis juste trompé, je me suis pris le meilleur screamer dans la gueule, genre. Espèce de pingouin loutre canard avec des milliards de dents dans ta gueule. Putain. D'ailleurs, ça me faisait penser. Tu vois là, en fait, je croyais que c'était des armes. Enfin, tu sais, quand on réglait le truc, je faisais. Oh, c'est marrant, les feuilles de l'arbre, on dirait une bouche de T-Rex.
Mais non, fait, mais c'est pas des feuilles. Oui, c'est pas des feuilles. Genre, je vais vous montrer. Mais je... Vous voyez là, je me dis, ah, c'est marrant et tout, les petits palmiers, les petites feuilles, ils ont dit une petite bouche de T-Rex, c'est trop mignon. Et maintenant que j'ai vu la bestiole, je me dis, ah, bah, petit c'est palmier, ouais. Petit palmier, ouais. Petit palmier, ça, c'est un crocodile, ça. Ouais, je sais pas où est ton palmier, hein, mais bon. Donc, on va je vais rester un peu sur cet écran, tu vois, histoire de lire le chat. Attends, chacun son tour. Oui. Ah, c'est autour de Guillaume là. Regardez la vidéo de Markiplier. Chaque mois, on change de joueur, non? Ça serait pas mieux? Non, c'est bien. Bah, moi, j'ai un ami qui est fan, donc je connais pas mal de choses, mais j'ai jamais joué. Oui. Non, mais c'est pas des feuilles. C'est un T-Rex. En vrai, j'aurais moins peur d'un T-Rex. Non, mais c'est pas les feuilles, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Les vrais savent. Oh putain. Bouge ta main. Ranbarou. Pas Ranbarou. Merde, j'aurais dû faire continuer. Bon. C'est le speedrun. Ah oui, d'accord, génie. Je vais jouer, je suis une flippette. Elle aussi, c'est une flippette, apparemment. Non, en vrai, c'est surtout que le setup est pas pratique. Parce qu'en vrai, le câble de mon clavier est très court et je peux pas le ravancer. Tellement. Encore la souris, ça pourrait aller, mais. J'essaierai après si vous voulez, mais en vrai ça risque de pas être pratique. Et puis en fait aussi, c'est que moi j'ai des très longs ongles et pour appuyer sur les touches c'est très compliqué. Donc si les deux touches sont à côté, 100% je me foire. Question, pourquoi dans notre chambre, dans le jeu là, on a 15 000 portes, un placard et 30 fenêtres et monstres qui arrivent sur notre gueule et là, on a une porte, genre qu'une seule. Alors non. Il vient t'aider. Non mais oui ça fait des vues mais quand même. Regardez, il y a une grosse baïde qui arrive. Et coucou. Waouh. Voilà, il y a Minou. Regarde même pas, il en a un à battre genre. Waouh. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que... Non. Non, t'appuies pas sur le clavier. Ouais, t'appuies pas sur le clavier. Reste là, t'es gentil. Voilà, sur les jambes. Tu restes ici, tu restes sur les jambes. Je sens qu'il va se prendre un coup sans faire exprès au screamer. Ouais, ça, toque à la porte. Parce que jeu vidéo, exactement. C'est lequel celui-là, fait, c'est le vieux, c'est Charlemagne. En fait, lui il est gentil puisqu'il nous protège quelque part, non? Ou c'est lui qui nous apporte le malheur? Bah si c'est lui qui apporte le malheur, tu vas se faire foutre. Hein. C'est lequel celui déjà? Ouais, c'est le vieux. Le jeune, il dort toujours en bas. Tu vois là, hein? Tu vois là, ce petit ours à la con? Parce qu'en vrai, les méchants lui ressemblent vachement. Donc est-ce que c'est lui qui les a tués? Genre on nous a offert une peluche mais elle est hantée. Putain, le temps qui éteint sa lumière. On n'avait pas dit que on pouvait pas mourir au premier niveau. Je dis ça comme ça, hein, genre au passage. Non mais moi je dors à la place du gars, genre d'où tu t'endors pas. En vrai, s'il y a des monstres qui arrivent, c'est moyen pour dormir quand même. Ça suit pas les yeux la pluche. Enfin, dans le mode 8 bits, si, suivez. Ah, en fait, ça c'est la phase tuto, et appuyer sur X... Je me rends compte que mon micro il était baissé. Enfin, il était relevé justement. Du coup, personne ne t'entendait. Mais en fait, je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Si ça se trouve, en fait, tu m'entends à partir de ton micro. Raison suivante. S'il y a des monstres chez toi, de toute façon, tu vas crever. Donc, tiens, clique là sur autoriser. C'est bon, je l'ai fait. Ah, ok. Merci. Oui, c'est ça. Non, mais c'est la meilleure strat. Je sais que moi, quand j'avais peur, je me disais, tu sais, genre.
je sais pas, dans la nuit ou des trucs comme ça, je me disais, au pire, bah, je meurs. Tu vois, genre. Puis c'est la meilleure solution, comme ça, bah, t'as plus peur. Moi, je me passe et casse par la fenêtre si j'étais. L'estimation de la vie, genre, t'en as rien à foutre. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est quand tu relativises et que tu dis, bah, au pire, de toute façon, dans tout. Si. Il faut. En fait, si j'ai peur, je vais mourir, tu vois, parce que ça va me paralyser. Alors que si je me dis, au pire, bah, je meurs, et bah, du coup, t'as plus peur et t'as une chance de survie, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'appelle ça pas du courage, hein. Ça s'appelle de la folie, hein, mais. Ou alors de la conscience, mais c'est comme tu veux. Et bah, souvent, la différence est très minime, tu sais. Ouais, mais le courage est mieux. Quand t'as mis ton marteau, ça devrait marcher. Oui, c'est vrai. Joue. Saleté. Bah, je me casse pas. Ah bah, touche. Bah, non. Et puis, il me semble qu'à un moment, alors je sais pas si c'est au fur et à mesure. Ouh. Dans les niveaux. Exact. Mais il me semble qu'à un moment, il y en a un qui peut arriver par la fenêtre. Y'a pas de fenêtre. Ah, je suis en train de remarquer que le chat ne marche pas. Dommage. Ouais, donc vous voyez pas vos propres commentaires. Ah, attends, clique là. Alors non, change. Ah oui. Ah non, non. Le chat. Bon, c'est pas le mot. Reviens là. Tu restes là, Mio. Tu bouges pas. Hein? Tu mais en vrai. Faire des bêtises. Pour l'instant, je suis bien. Hein. C'est... Mais le temps il passe. Oui, regarde, j'ai déjà 3h du matin. Bon bah, super gameplay. J'espère que vous êtes contents. Comment ? Radical comme solution, bah perso, je me suis dit plutôt que d'attendre 5 nuits. Attends, j'ai entendu qu'on one shot. Mais whatever. Je me souviens pas de ça. Si tu sors de la porte, tu vas te faire bouffer 100%. Si je sors ? Si tu retires l'animation de porte. Ouais. Donc je vais juste aller ça enfoncer en fait. Mais est-ce que le temps il passe ? En vrai, j'entends des sales bruits. Gros, on n'est pas bien, tu remets ton casque tout de suite. Non. Tu remets ton casque tout de suite. Mais je voulais bien qui s'éteint. T'as voulu faire le malin, bah t'es chez moi. Au pire, tu vois, j'ai jamais vu un youtubeur ou un streamer faire cette technique là. Je regarde pas, c'est normal. Nous essayons un nouveau glitch, en fait c'est un speedrun. Voilà. Moi j'ai eu trop peur, j'ai cru que tu vois, y'a un truc là. J'ai l'impression que c'est une bouche, non? C'est moi, juste moi. Non, c'est une lampe. Oui, bah, par bien. Contre, en vrai, t'es moyen parce que ça commence à clignoter vénère, genre. Attendez, ça le bruit, mec. Tu vas te faire me croquer, sans bon sang. On passe aux œufs à l'autre jeu. Je vois vachement mieux là. Oui. Ah, c'est marrant, tiens. Par genre, contre, on voit vraiment bien notre gueule. Ouais, en vrai, notre jeu est beaucoup plus sombre que ce que vous avez à l'écran. Sur le stream, non, il est beaucoup plus clair. Après, ça dépend peut-être de mes écrans aussi. Parce que je sais que celui-là est beaucoup plus clair, celui-là il est réglé, tu vas pouvoir bosser dessus. Celui-là il a une luminosité très forte et tout. Mmh. En fait celui-là il a des vraies couleurs techniquement et celui-là il est beaucoup plus saturé pour que moi je puisse travailler. On doit attendre jusqu'à quelle heure en vrai? Je crois que c'est minuit. Je crois que c'est 6h. Gros il est 5h. Donc bah non. Donc, de 100% ils vont faire un bon. Les bruits veulent dire qu'il y a un monstre. Glitch au moins pour la première nuit. Bah non, ils ont pensé à des gens, des connards comme toi. Ah les trouilleurs, oh. Je pense à Mario qui nous a demandé ce live horreur justement pour qu'on ait peur et qui au final n'est pas là. Oh, voilà. Qui va se faire foutre. Insultez-le dans le chat s'il vous plaît. Traitez-le de patate, parce que je crois que les insultes sont désactivées. Espèce de camembert plus. Les flashs, c'était Freddy. Bientôt la mort. Pourquoi ça flash comme ça? Ouais, on mourra pas nuit 1. J'aimerais bien qu'on passe un niveau quand même avant de passer sur DMC parce qu'au bout. Hein. Ouais, mais entre le chat
J'ai l'impression de trahir mes grands morts, j'ai pas. J'ai pas joué, hein, Le chat, il est là, tu vois, pour te réconforter. Oui, il sent que tu as peur, il te réconforte, tu vois. Il sent surtout quand j'ai un jumpscare et quand il fout plein ses griffes sur... dans mes jambes, en mode, hé, hey, je dois pas tomber. C'est mieux que de la VR. Oh putain, oui. Comme ça, tu ressens bien. Tu vois. Là, t'as la crise cardiaque assurée. Oh putain de merde. Attention, la lumière peut bouger. Ouais mec, tu finis le jeu, non mais non. Mec, ok, je vais essayer au moins de faire un niveau. Tu nous fais pas ta tapette. Oh, oh. Ça m'aurait pas plu, je me serais bien dû. Putain de merde. Parce que j'ai plus envie de parler juste pour entendre les bruits, tu vois. Genre, j'ai envie de me concentrer tellement fort. Non. Il y a une petite musique là. Elle vient d'où la musique? En gros, tu fais trop le fou à allumer les lumières directes. Reste pas trop dans une porte. N'hésite pas à rester devant la porte, c'est safe. Est-ce que le jeu considère que si tu perds trop de fois, il va simplifier le jeu? Non. Oh. Oh. T'as changé de stream, bah oui. On a plus le retour. On a le retour que sur mon écran du coup. En secret, vous voyez, il a changé, genre en mode non, mais ça me rassure comme ça, je crois être parti. C'est quoi, c'est pas Path of Exile en plus? J'ai l'impression qu'ils sont très peu là en vrai quand tu joues le jeu. Juste que je vais très rapidement et je stresse ma race. Ferme la porte. Alors vous voyez pas, mais je stresse tellement du cul parce que mon chat est posé sur mes jambes, du coup je dois contracter. Et c'est surtout que faut pas que t'aies trop peur parce que sinon tu lui éclates la tête contre le bureau. Donc Oui, aussi. Pauvre minou. Ça va, il fait moins peur, lui.
Il y avait rien. Si. J'entendais pas. J'entendais un petit pas. Moi, c'est la musique, en fait. Je sais pas si c'est vraiment un indice ou pas. Je stresse. J'y reste pas trop longtemps. Ferme. Pendant les dernières nuits, les monstres apparaissent plus souvent. Ouais. T'imagines que à force, plus t'augmentes de niveau, plus c'est dur, mais. Après, c'est plutôt au niveau de l'heure aussi. Plus tu te rapproches de 6 heures, plus c'est chaud, tu vois. Là, en vrai, ça va parce que c'est le niveau 1, mais. Y a pas plus de monstres mais ils sont plus actifs parce que là c'est pas le même monstre en fait à chaque fois, c'en est indifférent, genre celui qui est à côté de la peluche et celui des portes, c'est pas le même. Ne rechange pas de live. Je l'ai mis en pause. Non, t'as rechangé. Ah merde, ça va du coup, redessine la bonne page là. C'est pas genre attends, promis. Viens, Charmaine. Ah, j'ai les jambes serrées. Allez, viens, Mio. Allez. Viens là. Pas venu. Non. Mais. Non, alors, non. Il se fout. Viens, putain, voilà. Bon, mais en fait, mes jambes sont là. Je sais, un petit problème d'anatomie, hein, parce non, que... Non, Minou, reste là. Sinon, tu t'en vas, tu vas là-bas. Ça serre le cul. Clap, clap, clap. Il en reste 3. Il n'y a que 4 nuits. Ah non, il y en a 3 à la nuit. Ok. C'est pas ceux que tu vois en bas à gauche, les 4 là. Plus celui qui est sur le lit. C'est ça, il y en a 4 ou 5 du coup. Je pense 5. En fait, ce serait pas une salle de jeu. Et ils sont gentils le jour parce que c'est des peluches. Et la nuit, en fait, ça devient de gros animatroniques à la con. Non, mais reviens pas, en fait, tu me fais mal. Genre, tu pèses lourd, en fait. Il en a rien à battre, vraiment. Ah, ils sont balés couilles. C'est un chat. Non, mais non, on est bien là. Ne bouge pas. C'est pas espèce. Ah oui, mais faut que je revienne sur la page, forcément. Ouais, ma souris. Je ne vois pas ma souris. Voilà. Mais fuck. Mais arrête. Voilà, c'est bon. Mais où tu te fous de ma gueule? En gros, je disais, tu sais qu'il se cache, il n'arrêtera pas tant que tu l'auras pas trouvé. Ah mais non, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et 100% c'est ta peluche hein, qui est machiavélique. Il y en a deux. En vrai, ta peluche a fait des sacrifices. C'est vraiment, on dirait de l'opsy un peu par terre. Ouais. Tu peux même pas t'échapper. Putain, c'est Sans le mec. Là, t'as une porte. Non ? Ouais, mais elle est fermée par Goudon. Mais avant de crever, j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Foxy. J'ai plus le chat.
arrête le chat, s'il te plaît. T'as pas un autre jour. Là. Là. Merci. Tu peux revenir sur le jeu. Quoi ? Screamer 2D, moi, galoula. Ça a dit quoi ? Oh non. Quoi ? Oh non ! C'est quoi ça ? Comment ça, il se passe quoi là ? Ouais, mais si tu connais tout, quasi tout de FNAF aussi. Bah je connais, tu sais, on a regardé d'autres vidéos quoi, mais... Tu fais quoi là, je comprends pas. Je peux tenir. Bah regarde la lumière allumée. Je sais pas, il va l'atteindre au bout d'un moment. Il y a quoi ? Timer en mode. Non. Le chat qui décide de monter. Non, non, non. Reste là, l'abeille. Alors, ouais, ça doit vous casser les couilles. Mais pour l'instant, c'est la seule technique que j'ai trouvée. Hein. Et ça me fait passer deux nuits. Hein. Au moins, on vous a parlé vite. Merci Renmaru. Oh. Ça va gros, t'as 20 secondes. Hein. Prends une image subliminelle dans ta gueule. Ah non, attends, attends. Il faut le laisser avancer jusqu'à la croix pour te faire gagner 2 heures. Gardez la lumière éteinte, faut que tu gardes éteint. En vrai, garde-la éteinte jusqu'au décompte. Garde éteint jusqu'au décompte. Mais c'est quoi ce principe de merde ? C'était un bonus en fait. C'était si tu gagnais, on aurait, au lieu de 6 heures, on aurait juste attendu à 4 heures. Oh putain. On peut pas aller dans le placard, genre celui-ci, et rester coincé, genre comme PewDiePie, avec le monstre derrière toi. Après, je me dis pourquoi il laisse pas juste la lumière allumée. C'est ce que je veux dire. T'ouvres le placard, tu laisses la lumière allumée, tu mets ta lampe torche sous le lit. Comme ça, il n'y a pas de zone d'ombre en fait. Ils peuvent pas se cacher, tu vois. Je comprends pourquoi des gens n'aiment pas ce jeu. Qui ? Je comprends pourquoi des gens n'aiment pas ce jeu. Ouais, il y aura toujours une rediff. Normalement, si ça bug pas. Mais normalement, oui. Et c'est lui, Mario, qui demande un live qui fait peur. Donc traitez-le de patate, vous pouvez y aller. C'est pas une bonne idée de rester dans le placard dans FTAF. Apparemment. Je suis d'accord. Même sur Twitch, normalement, elle va rester quelque temps, donc... Je sais pas si c'est... Patate. C'est bien une langue comme insulte, patate. En vrai, tous les noms de légumes, c'est pas mal. Artichaut, courgette, céleri, betterave. Je le décoiffant. Date insulte. D'où vient tout Tout ça est parti. C'est moi qui l'ai appris. Putain, le son de la porte. Ah.
J'aime bien parce que tu vois, je vois dans le retour, on a quand même deux réactions totalement différentes. Moi, j'ai le réflexe de mettre mes mains devant en mode protection, et toi, t'es juste. Tu vois ce que je veux dire? Genre, deux façons d'affronter la vie. Moi, je sais que c'est un jeu vidéo. Du coup, j'ai juste à me barrer de l'écran. J'ai pas à le défoncer à coups de Kong Gun dans l'écran, tu vois. Je sais que c'est moi qui le paye après. Ah, j'aime pas ce jeu. Putain. Surtout avec l'handicap du chat. En vrai, toi, fais-en une. Mais je... moi, ça va être... Fais New Game. Peut-être toi la première nuit, si tu veux. Parce que moi, ça va être ultra galère. C'est quoi les taux, je crois. Attends. Si tu veux, tu retournes à ta place et moi je vais à ta place. Non, c'est trop chiant. Okay. En gros, là c'est la lumière, là c'est pour fermer la porte. Pour changer de zone, en gros, En gros, pour te retourner pour voir le lit, c'est tu fous ta flèche vers là-bas. Ok. Drago a perdu ses pommes. Merci, Royette. Le 4 est celui qui fait le plus peur par rapport aux autres, je trouve. Bah merci. Bah merci de me faire celui qui fout le plus le chocotte. Celui qui fait le plus peur. Apparemment. Mais enfin, c'est... selon l'avis de... C'est lequel City. Celui où t'es dans une machinerie, c'est là justement où on les fabrique tous. C'est genre, t'as même la poupée ou je sais pas quoi, la sister ou un truc comme ça. Et à un moment, t'es dans le noir et tu dois te guider au son, en fait. Celui-là, il est pas mal aussi. Aucune idée. Là, t'es plus avancé que moi. Moi, je connais celui avec Pinocchio et la ribambelle de connard. Et le premier avec Foxy. Et celui-ci, bien sûr. Je suis déjà perdu. Comment je retourne en arrière? Je te dis, c'est tu cliques. Enfin, tu fais un coup comme ça. Ah oui, c'est tu fais un coup. Ouais. Oui, ok, d'accord. Du coup, moi, je vais fermer ma gueule. Parce que. Quand moi j'ouvrais les portes et j'avais mon ouïe en mode ultra instinct pour savoir, j'étais en train de parler, du coup j'entendais pratiquement pas le son du meuble. C'était. Par contre, le meuble qui m'a buté, il est venu d'où? C'est. L'argent sacré, exactement quoi? T'as rien vu? T'as vu? Non, j'essaie de. Il se passait quoi? C'est pas grave. Il y avait la petite merde. Tu verras sur la rediff. Non, je vais regarder. Ah ouais, mais... oh putain, saleté. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, en gros, dans le placard du milieu, il a fait un pop screamer. Je me disais bien qu'il y avait un connard là-dedans. Donc c'est le cupcake qui m'a buté, c'est Chica, merci, il vient d'Australie aussi. Pardon. Qui a rapport avec l'Australie? Non mais t'es genre t'es, il me donne son nom, son adresse et ce qu'il a bouffé le midi. Et il est sur la droite. On est d'accord, la droite c'est bien cette porte où elle est actuellement. Ouais. Ce qui fait qu'il est sorti. De là où j'étais tout à l'heure, où je venais de partir. C'est vachement culte. Je suis la queue du chat qui me tape sur la cuisse 100% au moment où ça va me faire un screamer. Encore à gauche, j'entends, mais bon. Ah oui, pour enlever les espèces de tutos comme ça, t'appuies sur X. C'est pas plus mal, ça me rassure. Dans le tuto, c'est ça. Il n'y a pas de monstre. Il
vite quand c'est pas toi qui joue. Non, on sait qu'on peut utiliser la lumière quand il y a aucune respiration au niveau des portes. Tu devrais mieux te retourner parfois sur le lit. Non bah non, je suis con. Je vois de quel screamer tu voulais parler tout à l'heure. Le problème en fait c'est que je voulais baisser le son, mais si je baisse le son je les entends pas respirer. Sauf que si y a le screamer qui arrive, il va me défoncer les oreilles. C'est ça. Pour l'instant, faut savoir si les gens entendent bien le son, tu vois. Si on n'est pas trop faible ou trop fort par rapport à lui. L'ambiance sonore du jeu est pas mal quand même. Oh putain, ouais, elle est bonne. Les mecs, c'est des... Arrête toi, je t'ai eu, ferme-la. Le lit. Te vérifier. Sur le lit, c'est, mmh. C'est le premier qui fout l'ambiance, mais bon, hein, c'est voilà. Après, t'en as plus trop peur, quoi. Il est 5h, t'as bientôt fini. T'as vu le stress? Tu l'as senti ton cœur battre genre à 2000 à l'heure. C'est fou. Ouais, mais il bat pas si vite en vrai. J'étais juste concentré. Moi j'étais stressé de ouf. Parce qu'il te met bien dans l'ambiance, il est bien flippant. Ouais, mais le sound design est vraiment ouf par contre. Hein. C'est des bons jeux. J'ai plus la... Et du coup là c'est ZQSD. Hein. J'appelle au chat. On voit qui a le skill pour les jeux d'horreur. La marionnette dans le 2 m'a fait bien flipper. Vous pouvez utiliser la lumière quand vous êtes aux portes et qu'il n'y a aucune respiration. Ouais, mais en fait, à partir du moment où t'entends pas de respiration, t'as pas besoin d'allumer la lumière. Mais en fait, c'est le principe de. Ah, attends, je crois savoir pourquoi. Okay. C'est parce que quand t'allumes la lumière, tu peux les voir reculer. Ah, tu peux les voir au loin, genre. Ouais, je pense. Ah mais tu vois, ça te fout du stress inutile parce que pour moi en fait c'est Ah mais je stresse déjà en fait. J'ai plus peur en ne voyant pas la chose mais en sachant qu'elle est là plutôt qu'en la voyant directement. Ah, moi tu vois c'est l'inverse. C'est genre le noir en fait pour moi c'est ton meilleur ami dans le sens où si toi t'es caché dans le noir, enfin si lui est caché dans le noir toi aussi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi t'as tes oreilles et tout, à la limite tu peux le sentir s'il pue la mort, mais t'as surtout tes oreilles en fait. Après et t'as certaines créatures qui font créatures. Si c'est un sanglier ou un truc comme ça, ils sont nyctalopes donc. Oui, voilà, il fera beaucoup mieux, mais je veux dire, partant du principe que le monstre il n'aime pas la lumière, machin et tout, je sais pas, moi je me dis, j'ai pas besoin d'allumer pour me faire peur, dans le sens où si je l'entends pas, c'est qu'il est pas là, tu vois. Je fais confiance plus à mes oreilles qu'à ma vue, quoi. Parce que si tu le vois, t'auras plus peur en fait. En vrai, genre, un mob qui est nyctalope, tu fous une torchlight dans la gueule, il voit plus rien pendant 5 minutes, hein. Oui, c'est clair. Tu sais, c'est comme toi quand tu viens de te réveiller et qu'on te fout, on te fout du 200 volts dans la gueule, genre belle. C'est pas une unité luminosité. Bon, ouais. Je pense qu'on a eu assez peur comme ça.
Ah oui, surtout. Et si on passait sur Devil May Cry? En fait, tu vois, c'était le moment où les mobs nous faisaient peur, maintenant c'est la revanche. C'est le moment où en fait on voit péter le cul aux mobs. C'est... Alors je vais vous mettre ça. Ah bah, dans ce coup là ça refonctionne. Oh. Par contre, je suis pas sûr que le chat va marcher. On ne sait pas. Bah écoute, on verra bien. Pourquoi les écrans se sont mettre... Ah oui, parce que c'était en 4 tiers, je t'ai dit. Donc, t'as joué à quel Devil May Cry? J'ai joué au remake DMC. T'as joué qu'à celui-ci? Ouais. Et les autres, j'avais vu des vidéos, mais j'ai joué celui-là. Bah, en vrai, tu vois, quand il y avait le partage final, moi j'avais joué au 4. Je voulais faire le 2, mais les touches étaient en QWERTY. Et pas en AZERTY, du coup, et comme je connaissais pas la commande, je pouvais pas y jouer. Oh, très fort. Le son est fort en effet. Ouais, parce que du coup, je l'ai pas. Attends, ouais, vas-y. Et mais du coup, ouais, j'avais fait DMC aussi. J'avais. Donc, je connais un peu la timeline de celui-ci, tu vois. Après, selon les bandes annonces. Ça ferait genre qui est deux Dante. Ce qui serait un paradoxe chelou. Et je me demande comment ils ont foutu ça dans le scénar. Parce que genre peut-être tu vois le Dante actuellement à la fin de DMC. Et tu vois genre en moto bah du coup Dante, des anciens Devil May Cry. Avec les cheveux longs, blancs, son épée qui est méga stylé. Que j'ai et ces deux flingues qui est métal. Tu mets quoi comme titre? Revenge. Pourquoi revenge? On va défoncer la gueule à plein de mobs donc. Ok. Oh, c'est un revenge. Je sais pas comment on écrit revenge, c'est un E ou un A? Je pense c'est un E. E-A. C'est ça. C'est très très fort, hein, pour nous aussi. J'ai bien écrit ou pas? Non. Mais il... Tu l'as foutu en... Mais celui-là? Oh putain. Calme-toi le jeu, calme-toi. On a compris. S'il te plaît. On a pigé que t'étais pas à l'aise. Alors tu te calmes. Bien. Alors oui, tu as ta... La manette CO6. Il voyait pas. Voilà, c'est une manette pirate. Revenge. Ah, c'est bon, j'ai écrit comme ça. Ouais, ça apparemment tu l'as bien écrit. Et du coup, je vais jouer avec. Ah, par contre, faut que j'aille chercher le câble. Ah. Bah, fais-le pendant qu'on est en. C'est pour ça que j'ai ça. Par contre, oreillette. Oui. Peux-tu prendre réellement la grosse bête? Elle veut pas rester avec moi, je veux bien, mais il veut pas rester avec moi. Bah, force-le. Sortir. Merci Aurélien. Alors, bon, pour l'instant, je vais lire le chat. Tu peux me passer le câble, s'il vous plaît? Un petit peu de câble pour recharger le téléphone. L'attaque du son est égale 100% de dégâts est égal. C'est parfait, c'est génial. Le truc de ton portable. Au revoir, ouais. Tympan.
C'est tellement ça. Il dit quoi? Le son utilise attaque sonore. It's super affected. Au revoir tympan, on t'aimait. Donc tu fais tes branchements avec ta manette. Hein, oh. J'ai plus cette prise USB. Mais t'en as pas sur ton PC là? Je sais pas. Et tu vas pas me dire qu'ils sont que au cul? Tu vois? Du PC, il y en a là devant ou pas? Je crois pas en vrai. Non, en vrai, je crois pas. Oh merde! Bah, le problème, c'est que j'ai le disque dur, j'ai les deux casques, et du coup, j'ai le. Je regarde si sur l'écran y a pas. À moins que ce soit peut-être sur cet écran là, mais non, je vais pas avoir. Bon, bah, tu vas devoir jouer au clavier. Rect. Oui. Putain, la prochaine fois, on essaie de. Oui, non, mais je sais. Oui, je te vois, oui. Du coup, nous allons faire. Sortez les briquets plus Amazing Grace, on passe à l'enterrement. C'est ça, Devil May Cry sur PC. Moi, perso, j'ai joué aux deux à la manette, donc, qui était beaucoup plus intuitif pour les combos. Après, sur PC, c'est peut-être c'est plus simple. Ah oui, non, j'ai pas fait OK. Oui, t'as pas fait OK sur celui-ci. Mais tu pouvais pas faire OK? J'ai oublié. Puis j'ai tout fait sur celle-là. Bah. Oui. Ouais, mec. Bosse un peu. PTDR, t'es qui? Voilà.